L'interview découverte Caroline Roux, vous recevez ce matin Yves Mar. Il y a beaucoup de mots pour le définir, navigateur, entrepreneur, aventurier, et aussi peut-être, surtout d'ailleurs, un homme tourné vers les autres. Oui, c'est vrai. Bonjour Yves Marre. Bonjour Caroline. Alors, vous êtes pour votre ami l'écrivain Éric Orsena de l'Académie française, un être humain plus humain que la plupart des êtres humains. Vous êtes aussi un peu plus fou, un peu plus casse-cou que les autres. En 1994, vous voulez convoyer une péniche pour en faire un hôpital flottant au Bangladesh. Euh, de la Seine au Gange, aux rives du Gange, ça n'avait jamais été fait en péniche. Hein non, c'est une grande première, bien sûr, et c'est certainement une dernière aussi. <laughs> Je ne le referai pas. <laughs> Parce que c'est épouvantable Absolument, absolument. Surtout, c'est épouvantable, c'est extrêmement c'est épuisant, et puis c'est quand même dangereux, il faut le dire. Parce que c'est un bateau à fond plat qui n'est pas du tout fait pour naviguer en pleine mer. Non, alors euh, soit il peut se casser, si vous voulez, et, ou alors il peut se retourner, au choix. <laughs> et, et, et donc ça a été un périple, où, vous, vous me disiez tout à l'heure, il n'y a pas un bon souvenir. De non. ces 12 000 km non, de ça navigation. A été, ça a été une galère, on n'a pas ramé mais presque. Et par contre, le bon souvenir, si vous voulez, c'était d'avancer vers le but que nous, nous étions fixés, de faire un hôpital flottant dans le, au Bangladesh. Donc vous sûr. arrivez et donc à partir du moment où vous êtes sur place, les choses deviennent faciles. On vous accueille à bras ouverts avec votre hôpital flottant ou c'est compliqué Presque, presque. c'est euh, Tout est compliqué du début jusqu'à la fin. Euh, C'est-à-dire que euh, mon contrat moral, c'était bien sûr d'amener, de livrer le bateau là-bas et ensuite de donner les clés à une association qui se serait occupé de transformer ce bateau en hôpital photon et ensuite de le faire fonctionner ça n'a pas marché pourquoi ah écoutez les gens étaient peut-être moins euh, convaincus que moi ou plutôt moins <laughs> entreprenants ou je n'en sais rien vous dites ça n'a pas marché ça a pris sept ans voilà sept ans <laughs> Parce qu'il a fallu que je récupère la propriété de ce bateau qui avait fait, euh, sur lequel on avait fait des dettes, mmh. si vous voulez, euh, trouver des sponsors, etc. Et donc, moi, je suis resté au Bangladesh. Alors, le Bangladesh, c'est la population la plus pauvre d'Asie. C'est une population classée comme réfugiée climatique à cause de la montée des eaux. Il n'y a pas de services médicaux. Très peu dans les endroits où vous trouvez, vous. Et très, très peu. Très, très peu. On comptait à l'époque, il y a 20 ans, on comptait à peu près un médecin pour 15, 16 000 personnes. Mmh. Et où est-ce que vous vous trouvez Ce n'est pas, pas une zone anodine, ce sont des îles où on n'a jamais vu euh, accoster même parfois un bateau. Voilà, exactement. Alors, euh, on commence par le Gange et puis on remonte encore plus au nord et on vient sur le Brahmapoutre. Le Brahmapoutre, c'est un fleuve énorme euh, qui fait parfois 15-16 km de large et qui a créé euh, quelques milliers d'îles sur lesquelles vivent plusieurs millions d'habitants. Alors, Yves Mar, euh, sur votre hôpital floquant, quel, flottant, quel genre d'opération vous pratiquez il y a des blocs opératoires. Aujourd'hui, vous en avez trois hein, hôpitaux flottants. Trois, trois hôpitaux flottants. Quand je dis c'est moi, je veux dire c'est l'association Friendship que nous avons créée, mon épouse aussi, bien sûr, et qui est là. laissez au trop... passage, là-bas, vous avez rencontré l'amour. Et voilà aussi. Je suis tombé amoureux de plusieurs <laughs> choses. D'abord, euh, mon épouse, Mona, <laughs> puis, puis le, le pays. Je suis devenu amoureux du pays et aussi euh, citoyen de ce pays-là. Mais euh, vous me disiez, euh, oui, chaque hôpital flottant. Le premier étant la péniche, a été équipé avec deux salles d'opération, dont une de chirurgie, de microchirurgie, qui permet de faire des opérations de cataracte, par exemple, euh, reconstruction après des brûlures, on soigne les, les enfants qui ont des pieds beaux, etc. Plus d'un million de patients sont passés par euh, voilà, cette péniche-là. Voilà. Alors écoutez, euh, on peut dire euh, sur une euh, population de 170 millions, c'est une goutte d'eau, mais enfin, c'est déjà mmh. bien. Quoi. On est content pour eux. Alors la suite, c'est qu'il y a aussi maintenant toute une flotte. Il y a même des ambulances euh, flottantes. Ce sont des catamarans. Ce Là aussi, les... vous comblez un vide. Absolument, parce qu'il fallait des vecteurs rapides sur ces fleuves. Et alors, euh, on s'est adressé au meilleur architecte qui est Marc Van Ptegen, qui fait les bateaux qui ont gagné toutes les courses, mmh. y compris la dernière, à la Jacques Vabre. Alors Yves-Marc, navigation solidaire, c'est aussi ce que vous faites pour les pêcheurs du Bangladesh parce qu'ils euh, sont en situation de danger avec des embarcations qui sont euh, euh, en bois et très fragiles. C'est cela. Du fait de la déforestation, on a, on a du bois qui est de très très mauvaise qualité et qui devient cher. Donc un bateau en bois euh, dure à peu près deux ans et se, casse. et se casse. Or, dans le golfe du Bengale, il y a à peu près 400 000 bateaux de pêche. Euh, donc on compte plusieurs millions de, bon, euh, euh, de pêcheurs. De pêcheurs qui sont en danger quand il y a du gros temps. Voilà. Euh, la suite, c'est quoi mais la suite actuellement, c'est que nous allons créer, ce qui n'existe pas encore là-bas, une société de sauvetage en mer. Ça n'existe pas non plus Ah non, ça n'existe pas. Il faut tout mettre en place, mais on, on s'y attelle et on a déjà commencé. Alors vous savez que certains qui vous écoutent ce matin se disent peut-être, bon d'accord, il y a de la misère au, ba au Bangladesh, mais il y en a aussi en France ou ailleurs ou en Europe ou aux portes de l'Europe Certainement, et je suis très touché par la misère que je vois presque tous les jours. Et je suis aussi concerné mmh. par la misère des banlieues ou sous les ponts d'ici, de Paris. Bien sûr. Mais, mais c'est là-bas que vous avez. Euh, c'est là-bas parce décidé qu de poser fait, vos valises. j'ai des compétences de, de marin, de constructeur, et on n'a pas besoin de bateau en Corrèze, puisqu'on disait <laughs> non, la Corrèze avant ambesses, ouais. Donc euh, <laughs> voilà, c'est pour Merci ça que je Merci beaucoup, Yves-Mar. Merci, Merci, votre livre, hein. Yves-Mar Navigateur solidaire, est publié chez Isabelle Le Goff Édition. Merci beaucoup.